enfin arrivé à la cascade Grand Bassin. Voilà les dortoirs. Voilà la salle de réception pour ce soir. Voilà. Donc en ce week-end de fête de Pâques, on va aller dans la petite chapelle du village pour prier et se recueillir un peu. Juste ici, vous avez l'hélice station. Voilà, l'hélicoptère se pose ici. Ce matin, on est parti de là-haut. Là-haut, c'est le point de départ. Et on est tout en bas, ici. Le chemin du retour. On est arrivé. Oui, je vous présente Super Paillette. Malgré qu'il s'est foulé la cheville à l'aller, il est monté avec sa cheville aussi grosse que ça. Waouh, bravo hein. Bravo papa. Ça y est, voilà. C'est vraiment Super Paillette. Ah oui. Je pense que si tes autres avaient un chéri comme ça, on aurait crié. Avec son savate pigeon, avec son petit bâton, il a monté. Franchement, c'était un super week-end. Loin de toute la crise sanitaire, on a croisé des gens sans masque, pas de couvre-feu. C'était super. Donc voilà, dépaysement total. Et vraiment bien, le gîte, pas mal non plus. Propre, simple mais propre. Et ouais, c'est à faire. Franchement, deux heures pour remonter et on va dire une heure et demie pour descendre. C'était vraiment très très bien. Par contre, on a eu pas mal de péripéties sur ce parcours. J'ai Greg qui a failli perdre le drone. J'ai mon père qui s'est foulé la cheville en descendant, donc faut faire très attention si jamais vous allez faire des randonnées et tout. Mettez des sparadraps, des mousses anti-inflammation, des lattelles pour les chevilles et tout. Et aussi, ouais, je me suis coupée avec une bouteille en verre. Donc n'emmenez pas de bouteille en verre en randonnée. Donc voilà. Voilà, voilà. Et puis là, ça y est, retour. On voit la police mettre des amendes à des gens sur l'aire de pique-nique. Franchement, allez faire des randonnées. Hein. Nous, c'était un dépaysement total. On n'avait pas de masque, pas de couvre-feu, pas de... Personne n'a porté de masque dans le sentier. Pas de police, rien. Voilà. Bisous.